On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Au cours de cette émission, on va vous parler de l'exposition de la capitale nautique qui se tient d'ailleurs pour une quatrième année officiellement à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. C'est d'ailleurs en fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Dans quelques instants, on reçoit Pierre Fortin de la Marina Fortin. Il y a aussi la Marina Gosselin qui est impliquée dans cet événement. Il y aura plus de 300 embarcations, même certaines que vous allez pouvoir tester sur la rivière Richelieu. Il y a aussi un bazar nautique, donc les gens pourront même vendre et acheter de l'équipement. On sait que la vogue est aux bateaux usagés en ce moment et c'est la reprise de la saison aussi. Mais d'abord, parlons de Montgolfière. Oui, l'événement est au mois d'août, mais on sait qu'on veut bien sûr aller rechercher l'engagement et l'engouement de la population locale. Et c'est pourquoi que l'organisation, la Ville et l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu procèdent au lancement de la Loto Ballon. Parlons maintenant d'une nouveauté à l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Loto Ballon. Deux invités pour en parler. D'abord, Marie-Claude de Beauvais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et le maire et président de l'International, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. On dit que c'est une nouveauté parce que c'est vraiment un projet particulier là, qu'on amène. Un projet particulier, mais également tout à fait une nouveauté. Donc, la première loterie, Loto Ballon, qui sera disponible dès ce week-end pour les Joannais et les gens du Haut-Richelieu. Et ça consiste en quoi? Donc, c'est vraiment une loterie qui est composée, en fait, de deux aspects. Donc, un aspect vraiment à gratter, où on peut avoir des rabais pour l'achat d'un passeport régulier. Et par la suite, un tirage de Grand Prix qui va se faire au mois d'août et où on a l'opportunité de courir la chance de gagner voyage, régime enregistré d'épargne études, forfait, etc. À qui ça s'adresse? À tous ceux qui aiment l'International de Montgolfière, donc en fait à tous les Joannais, tous les gens du Haut-Richelieu. Donc, c'est principalement une clientèle locale qui est recherchée via cette loterie. Tout à fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, évidemment, on veut démontrer la fierté des Joannais par cette loterie-là, mais également les fonds seront employés pour favoriser les artistes locaux. Donc, évidemment que les Joannais auront davantage un sentiment d'appartenance à voir leurs concitoyens offrir des prestations à l'International de Montgolfière. Comment on vous a vendu l'idée au conseil d'administration? Je pense que c'est moi qui vous ai vendu l'idée. Ah, c'est plutôt l'inverse! C'est l'inverse! Alors, d'où vient l'idée? En tout cas, je pense que oui. Ouais. En fait, ce que je disais à Marie, c'est à Marie-Claude, c'est qu'on a parlé beaucoup de fierté, hein, puis on a adressé en disant... Comment on peut ramener les Joannais? Qu'est-ce qu'ils interpellent? Pourquoi ils ne reviennent plus? Comment on pourrait faire en sorte? C'est familial à l'intérieur de ça. On pourrait-tu mettre un attrait particulier à travers ça? Évidemment, on a des partenaires qui sont la Banque de l'Ancienne, l'Auto-Québec, etc., Tim Hortons. Bon. Alors, ce qu'on a dit, c'est que c'est un gratuit instantané. Là, c'est 5 $, donc pas la mer à boire. On s'entend là-dessus. Puis à l'intérieur du premier, ce que Marie disait, c'est qu'on a quelque chose qu'on peut gagner instantanément qui est applicable sur un passeport de 5, 10, 15 et 20. Oui. Je ne me trompe pas. Et après ça, il y a des grands prix qui sont intéressants, les voyages là, dans les rios, quand même intéressants, le régime enregistré d'épargne études. Donc, tout ce qui s'adresse aussi à la famille, tout ce qui facilite le prix d'achat d'un passeport qui, on t'en a déjà parlé, qui a déjà été réduit. Puis mettre un peu de plaisir là-dedans, sentiment d'appartenance. Et nos partenaires, ceux qui vont vendre en même temps que des passeports, ça, l'auto-là, bien, eux autres aussi vont avoir une chance de gagner parce qu'après 10 coupons, il y a un coupon qui lui est attribué. Donc, c'est une façon de faire un clin d'œil, de remercier, puis en même temps, bien, de mettre un peu d'ambiance à travers ça. Puis je pense que ça, on fonde... Puis évidemment, bien, puis ça, c'est à ne pas négliger, la partie d'argent qui va être investie pour les artistes locaux, on sait qu'on a des scènes qui sont mobiles. Très important aussi de promouvoir nos talents locaux. Donc, moi, je pense qu'il y a une formule qui est gagnante-gagnante. Est-ce qu'au-delà de bon, la fierté et l'appartenance qu'on veut dégager avec l'exercice du projet de la loterie ballon, la loto ballon, est-ce qu'il y a aussi, parce qu'il faut parler d'argent évidemment, est-ce qu'il y a une façon aussi d'aller chercher une forme de financement via les citoyens? Oui, c'est tout à fait, c'est clair, net et précis. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que, tu sais, on ne va pas chercher juste cette somme supplémentaire-là dans la question de dire on éponge un manque à gagner. Mais on prend cet argent-là, puis on l'investit dans les talents locaux. Évidemment, si on l'investit là-dedans, ça en prend moins dans la grosse cagnotte à travers ça. Mais on va donner des services, puis en même temps, il y a des gens qui vont gagner des prix. Donc, c'est là que j'appelle ça une formule qui est gagnant-gagnant. Bon, il y a combien de billets en circulation? Donc, 22 000 billets qui seront en circulation. Est-ce que vous pensez tous les vendre? On espère.
Une fois que... Est-ce que les prix sont des prix commandités ou des prix que vous devez assumer, les coûts? Donc, nos partenaires ont décidé de collaborer avec nous pour offrir ces prix-là. Ouais. Ce qui fait que dans le meilleur des mondes, vous pouvez rapporter combien avec la loterie? Bien, c'est sûr que c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars là, qu'on va pouvoir ramener dans les coffres pour pouvoir réinvestir soit en infrastructure sonore, en scène, sonorisation, évidemment, et les artistes eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir continuer de favoriser puis d'augmenter, en fait, le nombre ou la qualité des artistes locaux qu'on va pouvoir accueillir à l'International de Montgolfière. À quel endroit les billets seront-ils en vente? Donc, en fait, c'est la même routine, je dirais. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de se procurer leur passeport, c'est dans les mêmes points de vente. Donc, à peu près une trentaine de points de vente. Donc, que ce soit évidemment là, les dépanneurs, les pharmacies, les stations-service, etc. Donc, à peu près les mêmes 30 points de vente là, que pour les passeports. Donc, à partir de ce week-end. Jusqu'à? Alors, jusqu'à la fermeture de la vente des passeports également, donc le 31 juillet prochain. Évidemment, si on expire le 22 000 avant cette date, on sera super évidemment content aussi. Mais la date limite, donc, pour acheter le billet serait le 31 juillet. Tout à fait. Ouais, pour écouler, donc, les 22 000 billets en circulation qui sont en vente au coût de 5 $ Oui. C'est bien ça. Ouais. Donc, et avec 5 $ c'est quoi, dans le fond? On gratte? Exactement. Instantané, donc, des billets que tu peux gagner pour une réduction sur le passeport. Donc, à l'intérieur, il y a 5, 10, 15 et 20. Oui. Ça, c'est des réductions pour le passeport. C'est des réductions pour le passeport. Oui. En passant, une question qui nous a été posée lors du Contrôle Canada français, là, combien il y avait des chances? Là, les chances sont très élevées. Donc, on n'a pas joué un peu gratteux dans le sens du mot. Oh, ouais. Il y a beaucoup de chances de gagner. Là. Donc, On a plus de 50 % de chances de gagner. Plus de 50 % de chances de gagner. Plus de 50 % soit un rabais pour le passeport. 5, 10, 15 ou 20 $ Oui. Et quels sont les autres prix qu'on peut gagner en grattant? Donc, en grattant, ce sont les rabais. Ce sont les rabais. Exactement. Donc, prix instantané. Et par la suite, au niveau des grands prix, donc, comme Michel le mentionnait, au niveau du RIU, donc un voyage familial, sinon régime enregistré d'épargne études, des cartes chez les Tim Hortons. Quelles sont les valeurs de ces prix-là en question? Donc, bien, on en a pour... Si on commence par le premier, là. Donc, au-delà de 10 000 $ combinés. Au total. Donc, au niveau du voyage, du régime enregistré d'épargne études, des cartes cadeaux chez les Tim Hortons, les Jean Coutu, Journal de Montréal, etc. Donc, une valeur de plus de 10 000 $ en prix combiné. En prix combiné. Ne serait-ce que pour les grands prix. Mais ça, c'est pour le grand tirage qui, lui, va se tenir durant l'international, en fait, on va faire le tirage le 5 août pour s'assurer que les gens soient là à l'ouverture officielle et on va faire une cérémonie spéciale pour... les gagnants le 8 août prochain. Bon. Est-ce que cet exercice de loterie a déjà été tenté ailleurs, dans d'autres types d'événements? Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus? Pas à ma connaissance. Je vais t'avouer que l'idée m'est venue un peu. C'est drôle, on parlait de ça un matin, puis l'idée m'est venue de... Il y a une promotion, là, dans mon ancienne vie, des rôles de rebord. Là. Oui. Non, mais ça, c'est un peu ça. Puis je dis à Marie, bien, on a des partenaires, comment on pourrait faire pour... Toujours dans l'optique de dire... On ramène nos gens, on s'en va là, il y a un rabais instantané qui peut être attribué. C'est un peu de même qu'on a développé le concept à travers ça. Bien, en fait, c'est vraiment une première parce que ça a été pour nous, on s'adresse, exemple, à la Régie des loteries et courses, c'était une première parce que, bien, comment vous faites ça? Qu'est-ce que vous allez donner? Bien, ça, c'est un peu mon autre question parce que, bon, tu sais, nous-mêmes, ici à la télé, on a le télé-bingo. Puis on sait comment c'est complexe quand on fait affaire avec la Régie des loteries et courses du Québec. Je te confirme, vous avez été très complexe. Ça, c'est mon autre question. Comment, parce puisque tout ça est réglementé par la Régie, de quelle façon est-ce que vous avez présenté ça auprès des instances décisionnelles? Bien, c'est ça. Donc, il fallait honnêtement s'assurer de pouvoir justement cadrer dans les normes de la Régie parce qu'en fait, c'est un peu inusité d'avoir et à la fois un gratteux qui donne un prix instantané et par la suite des grands prix. Donc, si on constate, là, la majorité des loteries, c'est soit qu'on a un gratteux et c'est un gratteux, et sinon, il y a des grands prix, puis c'est autre chose. Donc, de combiner dans le même billet, donc il a fallu vraiment travailler fort, là, justement, pour s'assurer de cadrer dans la norme. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'était très complexe, mais à la rigueur, là, c'est arrivé. Puis s'il y avait eu un précédent ou en quelque part qui aurait été là, ça aurait été plus facile, mais on est arrivé vraiment... Notre idée originale, c'était pas mal plaisante, mais... Parce qu'en même temps, puisque que l'international, dans le fond, est considéré comme un organisme à but non lucratif, dans le fond, tout c'est un peu ça. Oui. Donc là, vous cadrez dans cette case-là là, auprès de la Régie. Là. Oui, tout à fait. Bon. Parce qu'en même temps,
Et je présume que la régie aussi veut s'assurer que les fonds sont bel et bien dédiés à la cause que vous avez déterminée. Ils doivent faire certaines vérifications. Oui. C'est la même chose ici avec le télébingo. Donc, à quel moment avez-vous pris la décision de dire, bon, oui, on va remettre sur pied la loterie, la loto-ballon, mais on va l'associer à la cause des artistes locaux? Bien, en fait, rapidement, comme Michel le mentionnait, c'est l'idée, de, évidemment, en tant que maire, mais en tant que président de la corporation, de redonner à la collectivité, de s'assurer que la collectivité se sente impliquée, la fierté. Donc, c'est devenu d'emblée. C'était la décision, c'est faite simultanément. Puis à partir de là, puis l'autre, juste pour revenir à ta question préalable, évidemment, il y a des fonds qu'on a mis, évidemment, garantis pour s'assurer, avec l'Auto-Québec, tu disais. Là. Ouais. Bon, ça, c'était normal aussi. Mais ça s'est fait, on est parti de l'idée un matin lors d'une réunion. Après ça, bien, qu'est-ce qu'on pense de ça? J'avais peut-être une idée, on pourrait faire ça. Est-ce qu'on pourrait combiner ça? Parce qu'on était toujours, évidemment, budget dit, on cherche des artistes. Un artiste, il y a un coût. Tu sais, l'artiste, plus qu'il est populaire, plus que la facture est là. C'est ça. Comment est-ce qu'on fait? On a des installations, des équipements qu'il faut moderniser, mettre à jour. Donc, à un moment donné, ça vient partie du... Mais en même temps, les artistes locaux ont quand même toujours eu pas mal de visibilité à l'international. Bien, en fait, est-ce qu'ils en auront plus cette année? Bien, ils en auront davantage, mais l'objectif aussi, c'est de pouvoir leur offrir une infrastructure professionnelle pour laquelle ils n'ont pas normalement l'opportunité de pouvoir œuvrer, un, devant public, deux, avec des équipements professionnels, et de trois, de pouvoir avoir un cachet plutôt intéressant aussi. Donc, ouais. Donc c'est ça sur lequel on doit tabler. Et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que préalablement, on n'avait que deux scènes à l'International de Montgolfière. Là, on est rendu avec trois scènes à l'International. Donc, ça vous donne plus de marge de manœuvre. Exactement. Donc, pour le talent local, entre autres. Exactement. Donc, davantage d'opportunités pour le talent de se faire voir. C'est meublé aussi. Il y a beaucoup de... Une question qu'on avait déjà échangée avec toi, Éric, si tu te souviens, c'est que des gens arrivent sur le site. On a différents groupes d'âge, comment on peut animer, comment on peut moduler avec ça. Ça peut être des jeunes, ça peut être des moins jeunes. Donc, et ces scènes-là, il y en a une qui est mobile. Donc, tu sais, c'est de s'assurer qu'à quelque part, on grandit, on essaie de répondre à la demande. Moi, je pense que là-dedans, là, on a une formule qui est intéressante. Donc, si on résume, à compter donc dans fin de semaine, oui. C'est oui. Ça? Donc, dans quelques jours à peine, jusqu'au 31 juillet, il y aura 22 000 billets à écouler au coût de 5 $ l'auto-ballon. Il y a une case à gratter pour des rabais de 5, 10, 15 ou 20 $ sur l'achat du passeport. Sinon, un numéro de billet qui, lui, va servir pour un grand tirage le 5 août avec environ 10 000 $ en prix, les prix qu'on a énumérés ouais. un petit peu plus tôt. Ouais. Et les recettes de cette loterie ballon, environ quoi, plus de 10 000 $ environ? Plusieurs dizaines de milliers de dollars seront attribués, dans le fond, à la visibilité du talent local à l'occasion de l'International de Montgolfière. Tout à fait. Très bien résumé. Ouais. Sûr d'avoir bien compris. Très bien compris. À vous deux, merci. Merci à toi. Merci à toi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de l'exposition de la capitale nautique en fin de semaine à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noirs. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Quand on commence à parler de bateaux, de navigation, de plaisance, c'est donc que l'été est à nos portes. Ça ouvre un peu aussi la saison, alors que pendant tout ce temps-là, nous, on est au printemps, la neige fond, elle est pratiquement toute fondue. Le niveau de l'eau a monté, mais pas trop cette année. Et puis, en fin de semaine, la destination, c'est bien sûr Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noirs, parce que c'est l'exposition de la capitale nautique. Avec nous pour en parler, Pierre Fortin de la Marina Fortin. Bonsoir et bienvenue. Merci. Ça fait plusieurs années que vous tenez cet événement-là. Bien, ça fait déjà 4 ans qu'on la tient, là, avec Marina Gosselin et puis d'autres collaborateurs. Mais là, c'est la 4e année officielle.
Officiel. Officiel. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a différents événements chez différents concessionnaires, mais ça fait 4 ans qu'on se regroupe pour faire l'événement là, de l'exposition de la capitale nautique. Qu'est-ce que ça vous amène, justement, le fait de se regrouper, de créer un événement, de l'annoncer, d'en parler ici publiquement? Qu'est-ce que ça vous amène pour vos entreprises respectives? Bien, c'est sûr que ça amène. C'est le lancement de la campagne de l'été. C'est le lancement vraiment de la saison estivale, de la saison nautique pour tous les navigateurs. Les gens se donnent un rendez-vous à ce moment-là pour dire, bon, OK, la saison commence à Saint-Paul, on va voir tous les bateaux, les nouvelles embarcations, les quais, les différentes marinas. Donc, c'est ça qui fait vraiment le lancement de la saison. J'ai l'impression que les gens sortent un peu. C'est drôle, ça me fait penser. On dit que les gens sortent de leur tanière. Là. Ouais. Hein? C'est comme si pendant 5-6 mois, on ne s'est pas vu ou presque. Là. Puis là, c'est comme, hey, allô, hein? T'es encore là, oui. C'est comme, on redécouvre nos voisins. Fait que j'imagine que dans le monde de la navigation, ça doit être un peu la même chose. Les gens qui ne se sont pas vus depuis l'automne se revoient à nouveau. C'est sûr, tu aurais dû voir la fin de semaine passée avec la belle température qu'on avait. Beau, là. Ouais. Les gens venaient enlever là, leur toile d'hiver sur les bateaux. Là, justement, les voisins qui se rencontraient, là, c'était vraiment, vraiment le fun. C'était un gros happening, les gens se retrouvent. Pas eu de problématiques cet hiver. Le fait d'avoir eu beaucoup de neige ou de grand froid pour l'entreposage de vos embarcations, ça ne change rien, ça? Ça ne change rien. La seule chose que ça fait, c'est que les gens ont vraiment hâte là, d'aller à l'eau. C'est la seule différence, oui. Bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés dans les différentes concessions qu'on a à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, dans les produits? Qu'est-ce qu'on a de différent à offrir? En quoi les bateaux sont différents des années précédentes? Le produit en tant que tel n'est pas tellement différent. Ce qu'on voit à l'exposition de la capitale nautique, qui est complètement nouveau cette année, c'est qu'il y a un bazar nautique qui fait que les gens, peu importe, monsieur tout le monde, peut se louer une table puis vendre ses accessoires, ses produits, toutes ces choses-là. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant puis ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Donc, les gens peuvent apporter leurs trucs puis décider de vendre ça sur place? Oui, c'est ça. Avec la collaboration de la municipalité, ils ont fait un genre de petit événement. Ils ont amené un collaborateur qui s'occupe de ça puis qui fait le bazar. Il loue les tables. À ce moment-là, les gens peuvent amener leurs accessoires, leurs pièces, peu importe. Qu'est-ce qu'ils peuvent vendre? Des ancres de bateau, ils peuvent vendre des cordages, ils peuvent vendre toutes sortes de choses qui ont rapport au nautique. Qui peuvent être utiles à quelqu'un d'autre. Oui, c'est en plein ça. Mm. Bon. C'est quoi le marché type en ce moment? C'est du neuf, c'est de l'usager. Qui a le moyen de se payer aussi du neuf? C'est quand même pas toujours donné, ça dépend de l'embarcation, évidemment. Mais les gens, ils cherchent quoi dans ce genre d'exposition-là? Disons que là, pour le moment, ce qui est très, très fort, c'est le bateau usagé. Disons qu'avec, l'échange d'argent là, qui est rendu de pratiquement 25 %, les bateaux neufs sont devenus très dispendieux. Donc, il y a de belles occasions dans l'usagé. Le usagé est très, très, très recherché présentement. Donc, l'offre et la demande fait que c'est un marché de vendeurs, si je comprends. C'est qu'il y a une demande pour se procurer de l'usagé, là. Oui, oui, c'est en plein ça. Ce qui arrive, c'est qu'avec ce qu'on a vécu là, depuis 2008-2009, avec aux États-Unis, ce qui s'était passé, la récession, tout ça, il n'y a pas beaucoup de bateaux neufs qui sont vendus depuis ce temps. Donc, ce qui fait que là, il y a une rareté de bateaux neufs, de bateaux usagés, si on veut, de ces années-là. Donc, les gens sont à la recherche, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de disponibilité. En même temps, pour qu'un bateau soit usagé, c'est donc qu'il a été neuf auparavant. Mm-hmm. Donc, ça prend toujours quelqu'un, en quelque part, qui va se procurer un bateau neuf. Oui. La chaîne, elle commence comme ça. La roue, elle commence comme ça. Ça, tu as raison. Mais ouais. En ce moment, de ce que je comprends, c'est de par le taux de change qui est moins avantageux, donc le bateau neuf est plus difficile à vendre, c'est ça? Oui. C'est des embarcations qui, principalement, sont fabriquées aux États-Unis, c'est ça? Oui, ou s'ils sont fabriqués, exemple, en Europe, hein, c'est sûr que souvent, il faut que ça passe par les États-Unis. Il y a les douanes là, qui sont applicables. Donc, c'est sûr que oui, souvent, toute cette monnaie en argent américain, là. Les gens, ils cherchent quoi comme embarcation? C'est du 15 pieds, du 20 pieds, du 40 pieds, deux moteurs, diesel. C'est quoi qu'on cherche comme produit type? Il y a toutes sortes de choses. C'est sûr que présentement, bon, la voile est forte, les pontons sont forts, le petit bateau usagé là, avec un moteur de propulsion pour faire du ski, toutes ces choses-là, le bateau familial, c'est très, très, très populaire. Et les bateaux pour, comme on dit, dormir dedans, pour partir sur des longues randonnées, est-ce que ça a encore la cote? Ou si le fait, est-ce que le coût de l'essence est toujours un frein au déplacement du véhicule? C'est sûr que l'essence, c'est un frein, oui. On va avoir un petit break cette année. Mais l'essence est moins coûteuse cette année que c'est d'autres ça. Années. Oui, c'est ça. C'est ça qui va nous aider un petit peu cette année.
C'est sûr que le bateau familial, comme tu parles, qu'on peut coucher dedans avec la cabine, il y a encore la cote. Disons que les gens aiment ça, passer du temps sur le bateau, passer du temps sur l'eau. Donc, la petite famille, là, qui sont deux adultes, deux enfants, peuvent passer un week-end ensemble, vraiment, vraiment avoir du plaisir. Bon, la destination, c'est quoi? C'est toujours le lac Champlain? Bien, disons que oui. À partir d'ici, le lac Champlain est très populaire. C'est sûr et certain que c'est un beau lac, l'eau est très belle. Disons que notre rivière est de plus en plus belle aussi. Elle s'améliore? Oui, ah oui, oui, ah oui, la clarté de l'eau est de beaucoup supérieure à ce qu'elle était il y a 15 ans ou 20 ans. Là. Donc, finalement, les efforts d'assainissement des eaux ont fini par porter fruit. Oui, bien oui, ben oui, c'est ça, avec les champs, tout ça, oui. Bon, là, vous m'avez dit tantôt avant l'entrevue que vous avez déjà commencé à mettre les bateaux à l'eau, donc si bien il n'y a pas de contraintes en regard au niveau de l'eau par rapport aux inondations, donc ce n'est pas une année critique, si on veut. Non, on devrait s'en sauver cette année, donc les inondations ne devraient pas nous déranger. On ne sait jamais, quand on fait ces expositions-là à fin d'avril, comme ça, on peut avoir toutes sortes de températures. Disons qu'on est choyé cette année, puis on ne devrait pas avoir d'inondations. Puis on a commencé à mettre des bateaux à l'eau, donc la saison est partie. Ça vous prend combien de temps, mettre tous les bateaux à l'eau de vos clients? Ah, écoute, c'est quand même là, quelque chose qui demande à peu près 6 à 8 semaines. Wow. Ouais. Disons que le délai, les gens commencent à vouloir avoir les bateaux très tôt pour pouvoir préparer leur saison. D'autres qui attendent comme de raison en dernière minute puis qui veulent que la température soit belle. Mais normalement, c'est de 6 à 8 semaines. En tout et partout, quand on regarde Marina Fortin, Marina Gosselin et les autres, il y a combien de places au quai, dans les différents quais des marinas? Il y a combien de bateaux à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix en cours d'été? En cours d'été, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, il y a au-dessus de 1000 bateaux. Là. C'est 1000 bateaux. C'est 1000 bateaux. Ouais. C'est 1000 familles, c'est 2-3 000 personnes de plus dans la ville. Oui. C'est important, c'est une activité économique magistrale. Ah oui, écoutez, la région de Saint-Paul vit bateaux. Là. Bon. Donc, l'exposition, c'est en fin de semaine. On dit donc que c'est 300 embarcations, bateaux sport, pontons, cruiser, voiliers, neufs ou usagers. Donc, les 300 embarcations, donc principalement, sont à l'extérieur. Mais avez-vous également des sites d'exposition intérieurs si parfois le temps est moins clément? Oui, nous, disons, à Marina Fortin, on a à peu près 75 bateaux à l'intérieur qu'on peut visiter. Donc, que ce soit du 18 pieds, aller aux 51 pieds, ils sont tous à l'intérieur. Puis, il y en a à l'eau. Donc, s'il y a des essais là, qui peuvent être faits, là, ça va être fait aussi. Parce qu'en ce moment, on peut naviguer sur le Richelieu? Il n'y a pas de contraintes? Il n'y a pas de contraintes présentement. Le niveau de l'eau, là, il est à un très bon point, donc il n'y a pas de problème. Parce que quand c'est trop élevé, là, on ne peut pas, parce que je pense que ça peut amener de la vague sur les terrains ou je ne sais trop. Oui, pour tous les riverains, il faut quand même être logique. Puis être pas, plus oui, c'est pédale ça. Douce. Oui, là, vous n'avez pas cette contrainte-là. Donc, les gens en fin de semaine qui se rendent là pourraient aussi essayer des embarcations. Oui, définitivement. Aujourd'hui, là, quand on regarde les bateaux, puis là, on disait tantôt les différents, parce que quelqu'un me disait, ah, les pontons, là, il y a comme une mode, je ne sais pas s'il y a plus de pontons qu'auparavant, mais il y a comme une espèce de désir de se promener sur la rivière, de se rapprocher, c'est une activité. Là. Donc, les gens sont à la recherche de ce genre de plaisir. Oh, oui, définitivement. Disons que les gens, là, et l'eau, c'est l'amour commun, là. Les gens adorent être sur l'eau. C'est une belle activité. Est-ce que l'activité est plus prisée maintenant qu'elle ne l'était auparavant? Souvent, il y a des modes. Hein? C'est un peu comme le golf, le ski. Parfois, tu regardes ça, tu te dis, bon, ben là, la mode est au golf. Bon. Du côté de la navigation, est-ce qu'il y a de meilleures ou de moins bonnes saisons? Est-ce qu'il y a des modes aussi là-dedans? Bien, il y a des modes. Ça va surtout avec les budgets. Là. C'est sûr que les gens adorent l'eau, les gens adorent se promener sur l'eau. Il y a des modes dans le sens qu'on voit, là, oui, présentement, les pontons ont la cote. Les gens, les riverains aiment ça avoir le petit ponton sur le bord du chalet, puis ils vont se promener avec la famille. Disons qu'on a eu des modes avec les bateaux de croisière aussi, les croiseurs de famille, là, si on veut. Mais non, présentement, là, ça va tout le temps en augmentant ici. Ah, en augmentant? Oui. Donc le marché est stable et sinon même avec augmentation. Oui, définitivement. C'est très rare que quelqu'un va quitter la navigation puis dire on ne fera plus jamais. Ou s'ils quittent, ils vont revenir au bout de 2 ans, 3 ans. Avez-vous une certaine compétition avec laquelle vous devez gérer par rapport aux marinas qui sont aux États-Unis? Moi, je ne connais pas ça du tout, mais est-ce qu'il y a un avantage ou un désavantage à avoir son bâton à Russell's Point plutôt que de l'avoir à Saint-Paul? Ou l'inverse est peut-être aussi vrai, je ne sais pas. C'est quoi le contexte dans lequel vous opérez par rapport à la frontière? Bien, c'est sûr que dépendant des gens, là, écoutez, c'est sûr et certain que le lac Champlain, c'est vraiment la destination. Oui, on a des contraintes avec les marinas aux États-Unis, mais là, avec l'échange d'argent, disons que les gens là, aiment bien être dans le coin ici.
Puis les coûts sont moindres ici aussi. Sont moindres, ah oui? Oui, comparativement à ce qu'il y a aux États-Unis. Donc, vous êtes plus compétitif à ce niveau-là? Oui, définitivement. Bon. Donc, 300 embarcations à visiter en fin de semaine à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Donc, c'est l'exposition de la capitale nautique. En plus de ça, il y a aussi un bazar nautique qui va se tenir donc le 25 au Centre Paulinois. Donc, un marché intérieur pour acheter différents objets, des équipements nautiques de toutes sortes. Donc, ça peut être une belle occasion. Monsieur le disait bien sûr, donc le marché de l'usager, visiblement, a la cote. Et ça se déroule donc quoi? C'est vendredi, samedi, dimanche? Oui, c'est en plein ça. Puis, il va faire super beau. Oui. Peut-être faire nuageux un petit peu, là, mais quand on regarde les prévisions, au moment d'enregistrer l'entrevue, prévision un peu nuageuse, mais plus on se rapproche des États-Unis, plus il fait beau. Supposément. Donc, on va se croiser les doigts, bien sûr, pour en fin de semaine. C'est ça. Bien, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente, bien sûr, le Babillard quotidien. Si vous êtes en train de procéder à des rénovations à la maison qui concernent notamment votre salle de bain et le cabinet de toilette, sachez que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu met à la disposition de ses citoyens donc un programme d'aide financière pour acheter des toilettes ayant donc une capacité d'eau qui fait en sorte que c'est plus environnemental. Donc, ça consomme moins d'eau potable forcément. Donc, vous pouvez bien sûr contacter les gens de la Ville pour savoir un peu comment ça fonctionne. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas également le télé-bingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct. 3 500 en prix. Carte pleine qui est à 2000. C'est tous les dimanches matins, donc 9h30 en direct au câble 09. Et pour avoir la liste des dépositaires, tvhr9.com ou encore 358-1912. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Visitez le site Internet pour revoir les entrevues. Également, vous pouvez nous suivre et nous aimer sur Facebook et sur Twitter. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Demain, on va tenter de vulgariser le nouveau contrat de transport collectif avec Transdev. À demain. Bye-bye.